on travaillait samedi. Ouais, il y avait moins de loisirs que je vois les 35 heures. Attention, on a trouvé du jeune, du manger, on a trouvé des musiques, on a trouvé des musiques. Alors, ça ne peut pas se mettre trop près d'un bas, monsieur.
Oh oui, il n'y a plus rien. Filature Badin à Barentin, alors fleuron de l'industrie textile. L'entreprise a compté jusqu'à 2000 salariés. Depuis la fermeture définitive des portes après sa liquidation judiciaire en 2008, les 17 hectares du site étaient en friche. La municipalité, nouveau propriétaire du terrain, proposait des visites avant le début des travaux de démolition. Reportage de Jean-Luc Drouin et Didier Meunier. La pure carrée sera aussi conservée. Dans cette usine, on a fini le lin et le coton pendant plus d'un siècle. Dans les années 70, plus de 1200 salariés travaillent encore. Quand l'entreprise Badin met définitivement la clé sous la porte en 2008, il ne reste plus qu'une centaine d'employés. Plusieurs d'entre eux sont revenus ce jeudi sur le site, une dernière fois, avant que les 17 hectares de friche ne soient livrés aux engins de travaux publics pour un vaste chantier de reconversion. On a travaillé à 13 ans et demi, parce qu'ils nous prenaient jeunes quand même. Ça vous fait un petit pincement au cœur d'être là aujourd'hui? Oui, sincèrement oui. Pour quelle raison? C'est un passé, quoi. C'est une période qui s'en va, quoi, pour nous. Surtout. Ça me fait chaud au cœur maintenant de voir que la commune a pu récupérer l'espace et puis envisage de faire des projets très intéressants pour la commune, parce que ça aurait été dommage que cette friche reste une friche industrielle. Ce passé industriel vit déjà dans la mémoire collective des Barentinois. Au tout début, l'entreprise Badin était toute petite et on travaillait le jute et le lin. Ensuite est arrivé le coton et là il y a eu des grosses modifications de l'entreprise, des agrandissements énormes dans les années 1900 et le coton a été remplacé dans les années 70 par ce qu'on appelait le synthétique. Pour la municipalité, si le site doit rester le symbole glorieux d'une histoire économique, il doit désormais être tourné vers l'avenir. Le rachat du site, la dépollution et la déconstruction des bâtiments s'élèvent à 4 millions d'euros. Une opération totalement autofinancée par la ville de Barentin. Je vais filmer un bout, même si je suis parti.